le Top Flow. Dans quelques jours, vous vous retrouverez face à un rideau et un grand sac de poubelles plein de bulletins, avec le sort de toute une nation entre vos mains. Wow. Une fois que ce sera fait, on vous proposera de participer au dépouillement. Ça peut paraître un peu chiant comme ça, mais parfois on peut tomber sur des pépites. Florian, vous nous faites votre top 3 des choses vraies retrouvées dans un bulletin de vote. 3, une croix de Jésus avec un mot. Pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. Encore une personne qui se trompe d'accès pour le paradis. Ici, il ne sera que fiscal. À voter. 2, plus technique, faut imaginer la personne derrière le rideau. Mais non, personne ne nous voit, je te dis. Allez, enlève ça. Non. Pour certains, ça peut être excitant de voter. Et encore, sur le bulletin, il y a juste le nom et prénom du candidat, de quoi laisser libre recours à l'imagination. C'est un classique. Dans l'enveloppe, beaucoup glissent. Une autre enveloppe protectrice, plus souple. On se croirait dans Inception, sauf que c'est juste une capote. On ne sait. Ouais, on ne sait pas pourquoi, ils se retrouvent très souvent dans les bulletins, sûrement des dyslexiques qui ont un problème entre le L et le R, avec élection, ça peut porter à confusion. Bravo, c'est classe. Un rat mort, est-ce que c'est un message politique? Est-ce que ça compte comme une voix pour le parti animaliste? Un rat, est-ce que ça rentre même dans une enveloppe? Tous les votes ne s'expliquent pas. Selon un spécialiste des votes loufoques, il ne faut pas forcément chercher le message. Les gens parfois mettent simplement ce qu'ils ont dans leur poche le jour J. Heureusement que ce n'était pas une limace, parce qu'avec tout le papier, ça devient un buffet à volonté. Oh non. Et surtout, ça peut fausser une élection. C'est magnifique. Time Break, en direct, sur MRG. Et ça fait plaisir.